Je m'appelle David Laure, j'ai créé il y a 5 ans une société qui s'appelle Tools et qui donc, comme son nom l'indique, propose des outils, alors des outils à destination de publics assez divers. Mais il y a un an et demi, on a travaillé sur un projet un peu bizarre qui était inspiré notamment par ce qu'avait fait Alain avec UFO. Et l'idée, c'était de pouvoir profiter au maximum des possibilités offertes aujourd'hui par la 3D interactive et notamment sur les tablettes qui est assez nouveau. Et donc la 3D interactive, ça permet pas mal de choses quand il s'agit notamment de projets d'aménagement urbain, de bien comprendre les projets. Et puis donc notre prototype, on a choisi un environnement particulier, c'était une favela au Brésil, notamment parce qu'on avait rencontré une association qui voulait faire de cette favela une vitrine du développement durable. Et ce qui nous paraissait intéressant, donc il y a un contexte qui est favorable, qui est pertinent là-bas pour déployer un prototype, et puis c'est une taille limitée pour une expérimentation. Et une des volontés aussi, c'était de promouvoir les technologies, donc et de faire beaucoup de pédagogie sur les technologies durables, parce qu'on entend parler souvent de photovoltaïque depuis longtemps, mais il y a plein de sujets qu'on maîtrise peu, et voilà. Et donc c'est difficile de vous parler plus avant de ce qu'on a pu faire sans vous le montrer, mais je me tiens à disposition pour vous montrer, et avec plaisir. Voilà, merci.